Ouh, le minou! C'est minou! Qu'est-ce qu'il est beau avec ses petits crins tout blonds! Oh! Mon beau poignet! Yo les gars, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je suis malade, j'ai une tête particulièrement pas super belle parce que j'ai du mal à dormir cette nuit. Enfin bref, on n'est pas au top, mais c'est pas une raison pour ne pas se bouger le cucu. Salut toi! Donc aujourd'hui, il faut monter cette énergumène qui est sale. Il faut remplir les bacs d'eau, désinfecter les, enfin, désinfecter les bacs d'eau parce que avec le chaud, le froid, etc. Bah, ils sont particulièrement sales. Donc nettoyer les bacs d'eau, re-remplir les bacs d'eau. Et surtout, faut réparer tout ça. Vous voyez, il y a des piquets. Là, d'en bas, c'était clôturé. Tout là, c'était clôturé. Et bah, il y avait beaucoup plus de bambou. Et au final, un jour, j'ai pas mis l'électricité. Du coup, ils sont passés. Enfin, Sangoku est passé. Soleil l'a rejoint. Ils ont cassé les clôtures. Ils ont dévoré les bambous. Donc, c'est un chantier. Et clairement, c'est plus possible. Donc, faire ça, monter Soleil. Sangoku lui faire un petit pansage, même si en soi, il est relativement propre, comme vous avez vu. Et voilà. Tranquillou, envoyer des colis Vinted, enfin bref, je vous emmène avec moi. Je suis essoufflée, j'ai le nez complètement pris, je vais plus parler. À toutes. 12 seconds later. Bon, du coup, pour nettoyer les bacs d'eau, je le fais avec ça. C'est bah, du vinaigre d'alcool, bon, tout simplement. Tout ce qui est de plus simple, ça fait un bon moment que je l'ai, hein. C'est un bidon de 5 litres. Et franchement, ça coûte pas super cher et c'est hyper pratique pour bah, désinfecter. En gros, vous voyez, genre l'eau est propre, hein, mais c'est le fond des seaux qui est un peu sale. Et tout cela, ils sont vides. Et tout s'est envolé à cause de la tempête qu'on a eue. Voilà, je vais les prendre et je vais les nettoyer. Eux aussi. Au travail, mon petit pote. Bon, franchement, c'est pas si sale que ça. Hein. C'est genre des algues collées au fond, quoi. C'est pas ouf. Donc, autant les nettoyer. C'est parti. Bon, au niveau des bacs à eau, ça y est, tout se re-remplit, tout est propre. Ils sont là. Maintenant, je vais aller ramasser tous les bambous parce que de toute façon on va faire un feu avec mon père pour brûler toutes ces merdes là. Donc ouais, ramasser tous les bambous. Mais là je vais vous poser parce que, enfin je vais vous poser, je vais surtout ne pas vous emmener avec vous et je vous montrerai le résultat après. Bon, je suis hyper satisfaite, j'ai enfin dans un vlog fait ce que j'avais dit que je ferais. C'est dingue, j'ai donc réparé toute la clôture là. Et ça fait tout le tour des bambous, comme ça ils vont pouvoir repousser, refaire des feuilles et ce sera enfin plus dégueulasse. J'ai également réparé la clôture tout au fond, celle tout au fond qu'ils avaient éclatée il y a déjà 3 mois et que je laissais traîner. Les bacs d'eau sont remplis et sont propres. Soleil fait sa vie, Sangoku, on ne voit que ses petites oreilles qui dépassent. Et ensuite, j'ai également débarrassé tous les bambous qui étaient pétés. Mais genre il y en a une quantité, mon pote. On va faire un feu, on va chauffer tout le village. Voilà. On a tout ça. Donc autant vous dire que j'ai relativement plutôt bien travaillé. Donc maintenant, je vais aller prendre une petite pause de déjeuner. Et je reviendrai cet après-midi pour monter Soleil. Et ensuite, j'ai plein de colis Vinted à envoyer et tout. Et puis Sango, il sortira pas aujourd'hui parce que je pense que j'aurai pas le temps de l'emmener promener. Voilà. Rivers run dry, dust breath in the air. Two dark days, do you have a tear to spare? Make a promise, the world awaits. It's heavy just breathing through this debate. When they love you too much, no, it's fame, fake, or even hate.
Don't be scared if the way paralyzes you, stayed at the gate. No, it's a lot to take in, it's designed to know when, don't wait. Don't be scared when the way paralyzes you, stayed at the gate. Dire au revoir au carton forestier que j'ai ouvert avec vous la semaine dernière, parce que du coup mon ancienne salle de dressage a été vendue à une abonnée et j'attendais désespérément de recevoir la mienne pour lui envoyer la sienne, parce que clairement je ne trouvais pas de carton adéquat à l'envoi d'une selle. Et donc mon carton s'en va, il était si beau. Mais bon, il va servir à quelqu'un d'autre. Enfin, il va juste faire le transport de la selle, parce que bon, en vrai, un carton et un carton, il n'y a pas grand intérêt. Mais je le trouve tellement beau comme carton. Bref, je suis clairement en train d'épiloguer sur un carton, on s'en fout un peu, ça reste un carton. Bref, tout ça pour dire que je le dépose au point relais. Voilà, au revoir petite salle de dressage et merci pour ces 1 an et demi passés ensemble. Mais il est temps que quelqu'un d'autre prenne la relève. Voilà. C'est parti, elle part chez sa nouvelle propriétaire. Et ben voilà, la selle est déposée, c'est une bonne chose de faite. En échange, comme vous le voyez, j'ai récupéré des colis. C'est des colis Vinted, parce que je suis devenue accro à Vinted. Mon dieu, c'est très mal. Mais je n'achète plus ce que je ne vends dessus. D'ailleurs, si jamais vous voulez mon Vinted, à votre avis, quel est mon nom? Lelou SZW. Comme ça, si vous voulez des vêtements pas chers, parce que pour le coup, je les mets vraiment, mais vraiment pas chers. C'est des vêtements que je mets plus, souvent parce qu'ils ne me vont plus, parce que j'ai trop grossi. Mais du coup voilà, et du coup je vous propose de faire avec moi l'unboxing de mes colis Vinted. J'en ai que deux, hein, mais voilà, on y va. Alors, comme premier colis Vinted, j'ai ceci. Oh, elle est archi belle! Putain, elle est canon! J'ai commandé 6 petites robes là! Trop belle! Et ensuite là, un truc qui n'a mais rien à voir. J'ai acheté une paire de chaussures de ski! Eh oui, mon petit, eh oui! Et attendez, tenez-vous bien! Je les ai payées 10 euros! 10 euros pour des chaussures de ski qui sont grises et oranges! Elles m'attendaient, elles attendaient que moi! 10 euros! 10 euros ça, c'est parfait. Et d'ailleurs, en allant chercher le colis, j'ai eu le meilleur appel que je pouvais recevoir de la journée. Le monsieur qui me livre le foin m'a appelé pour me dire qu'il me le livrait aujourd'hui. C'est encore mieux que ce que j'espérais. Donc c'est parfait. À 6h30 ce soir, il y a le foin qui arrivera. Et voilà, c'est trop cool. Comme ça, j'aurai deux randballeurs. Mais voilà, on tient le bon bout, hein. Franchement, on va s'en sortir à faire tout l'hiver au foin à volonté pour les poneys. Je suis trop contente pour eux. Enfin, c'est trop cool. C'est d'organisation, c'est des sous, c'est 100 balles par mois clairement pour avoir du foin à volonté. Mais ça me fait trop plaisir pour eux. Franchement, ils sont en bon état et c'est trop cool. Et c'est trop bien, enfin, avoir des poneys au foin à volonté, c'est le meilleur truc pour eux et pour leur organisme. Et bah, c'est top. Franchement, c'est génial. Je suis très contente. Voilà, bon, allez, sur ce, je vais aller travailler dans mon coin. Pour mes tafs, et puis je vous retrouve après. 2 hours later. Ah, coucou vous. Bah, j'ai pas d'excuses, je vous ai oublié carrément. Bon, bah du coup je pense que vous remarquez, c'est la nuit actuellement. Je vais vous laisser là
pour ce vlog. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog, en espérant que celui-ci vous ait plu. J'espère que ça vous a... Je suis fatiguée, il est tard. J'espère que ça vous a plu de me voir monter soleil. C'était la reprise, c'était pas facile. Pas de jugement s'il vous plaît, parce que autant lui que moi, on doit se remettre un peu ensemble, sachant que vous le savez, mais l'hiver c'est compliqué pour monter, donc voilà, j'ai pas monté depuis un moment. Il avait pas travaillé, enfin j'ai pas monté de manière sérieuse depuis un moment, il a pas travaillé depuis un moment, c'était pas simple. Voilà, on a fait une petite séance tranquille au pilou, mais ça a été globalement, donc c'est plutôt cool. Et bah sur ce, moi je vous dis... Non, c'est pas ça. Sur ce, je vous dis bonne nuit, et je vous dis... Non, sur ce, je sais plus ce que je dois dire. Enfin bref, à bientôt, gros bisous, et... A bientôt. Oh mais comment on finit un vlog? En fait c'est soit ça vient tout seul, soit ça vient pas. Quand tu commences à réfléchir à ce que tu dois dire, ça sort plus. Donc déjà je vais vous prendre dans la main parce que vas-y, vous êtes posé, ça me stresse. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog. Bye bye. Ah bah voilà Léa, c'était pas si compliqué.